Été 2010. Affirmant que Liliane Bettencourt a été abusée par plusieurs de ses proches, sa propre fille, Françoise, décide de le prouver en remettant à la justice des enregistrements réalisés clandestinement au domicile de sa mère. Quelques mois plus tard, et alors qu'elle avait toujours cultivé la discrétion, sinon le secret, Liliane Bettencourt prend à son tour le risque de s'exhiber sur la place publique. Elle ouvre les grilles de son hôtel particulier de la rue de la Bordère et fait entrer les caméras de la télévision, acceptant de se laisser interroger sur sa vie privée, sa fortune ou même sa santé mentale. Et les Français de découvrir la femme la plus riche du monde et l'une des plus secrètes. Mais ce que les Français découvrent aussi, c'est sa famille. Une famille de fait étonnante et qui ne ressemble à aucune autre. Eh bien voilà, c'est cette famille, à la fois si riche et si mystérieuse, qui m'a donné envie de faire ce film. Comprendre son histoire, discerner sa logique, percer ses ténèbres, et pénétrer son royaume, qui porte le nom d'une marque célèbre d'un bout à l'autre du monde, et qui, comme la Tour Eiffel ou le Louvre, semble aujourd'hui faire partie de notre patrimoine.